Les enfants avec des difficultés de langage sont à risque de développer des difficultés de lecture et d'écriture. Une façon de prévenir ou de limiter de telles difficultés est par la lecture partagée et régulière, idéalement une fois par jour. Lire avec votre enfant est également un moyen efficace de stimuler les habiletés de langage oral. Cette activité devient encore plus efficace si vous aidez votre enfant à raconter l'histoire par lui-même et si vous transformez le moment de lecture en conversation. Voici comment faire la lecture partagée. Il existe deux acronymes pour nous aider. Le premier, CROP, explique comment stimuler une réponse ou un commentaire chez l'enfant en utilisant des indices. Voici les cinq différents indices, ou les cinq types d'indices. Indice pour compléter la phrase. Laissez un moment de silence à la fin d'une phrase pour encourager l'enfant à la compléter. Cet indice fonctionne bien dans les livres où les phrases se répètent. Par exemple, le grand méchant loup a dit « Je vais souffler ». Soufflez encore et ta maison va... Pause pour laisser la chance à l'enfant de répondre, peut-être en disant « s'effondrer ». Indice pour rappeler des événements de l'histoire. Posez une question ouverte en lien avec un événement déjà lu dans l'histoire. Par exemple, « Te souviens-tu ce qui était arrivé à Caillou au début de l'histoire ?» Indice pour ouvrir la conversation. Utilisez les images du livre pour débuter la conversation. Par exemple, dis-moi ce que tu vois sur la page. Indice pour poser une question. Posez des questions qui commencent avec qui, quoi, quand, pourquoi et comment. Toutefois, utilisez les images. Par exemple, c'est qui? En pointant le personnage du livre. Indice pour parler des expériences précédentes. Reliez un aspect de l'histoire à un événement de la vie de l'enfant afin d'entretenir la conversation. Par exemple, Caillou est malade. Te souviens-tu quand toi tu étais malade? Qu'est-ce que maman a fait? Comment t'es-tu senti? Le deuxième acronyme DAR nous aide à poursuivre la lecture partagée. La première étape de DAR est de donner un indice afin de stimuler une réponse de l'enfant, ce qu'on vient de voir effectivement avec l'approche CROP. Ensuite, maintenant que vous avez une réponse de la part de l'enfant, on veut nous-mêmes y répondre. Une stratégie est d'analyser la réponse de l'enfant. Alors, si l'enfant dit, mettons, « camion », on pourrait répondre par exemple, « oui, tu as raison, c'est un camion ». On peut aussi allonger la réponse de l'enfant. C'est souvent utile de reprendre l'énoncé de l'enfant en ajoutant un peu d'informations. Alors, si l'enfant dit, « c'est un camion rouge », on peut répondre, c'est un camion rouge utilisé par les pompiers. C'est un camion de pompiers. Ensuite, on peut répéter l'indice afin de s'assurer que l'enfant a appris. La répétition facilite l'apprentissage du langage pour beaucoup d'enfants. On peut répéter l'indice en disant, le camion rouge utilisé par les pompiers est un... Et voilà! Vous savez maintenant les étapes pour débuter et poursuivre la lecture partagée. Merci.